Je vous invite à prendre une position confortable, assis, assise, soit sur une chaise ou un coussin, dans une posture droite et digne. La tête, le cou et le dos alignés verticalement, les épaules dégagées et détendues. Si je suis assis sur une chaise, je place les pieds à plat sur le sol et, si possible, le dos à distance du dossier de la chaise pour permettre à la colonne de se soutenir d'elle-même. Si je sens une tension ou un malaise dans mon dos, je l'appuie sur le dossier de la chaise pour adopter une position la plus confortable possible. Doucement, afin de favoriser l'intériorité, je vous invite à fermer les yeux. Si vous êtes à l'aise, de les fermer. Sinon, à les garder légèrement entrouverts en fixant un point sur le sol. Puis je tourne mon attention vers l'intérieur. Je prends conscience de mon souffle. Conscience de ma respiration. Je laisse mon souffle aller et venir à son rythme. Je me contente de l'observer et de l'accompagner. Je laisse à mon souffle tout l'espace. J'observe comment ma poitrine et mon ventre vont et viennent sous l'effet de ma respiration. Comme par le mouvement d'une vague, je me laisse bercer par le mouvement de ma respiration. J'observe le mouvement de l'air qui entre dans mon corps et qui sort de mon corps. Il peut m'arriver que mes pensées m'emportent ailleurs que sur ma respiration. Si c'est le cas, je reconnais simplement avec bienveillance que j'ai quitté ma respiration, puis j'y reviens. Je place ma respiration au centre de mon expérience et de ma conscience, au centre de ce que je vis ici et maintenant. Je ressens la fraîcheur de l'air au contact de mon nez, comme une brise rafraîchissante. L'air parcourt mon corps tout entier. C'est tout mon corps qui respire. Je ne cherche pas à contrôler ma respiration. Je laisse et permets à mon souffle à être tel qu'il se présente ici et maintenant. Je laisse mon souffle vivifié par l'air qui entre et qui sort, exister comme il le veut, tel qu'il le veut. À travers lui, je me donne la permission d'exister tel que je suis aujourd'hui, à cet instant. Puis j'élargis ma conscience au contact de mes pieds avec le sol. Je porte mon attention sur mes pieds, mes orteils. Je sens peut-être des picotements, de la chaleur, du froid peut-être. Peut-être rien. Si c'est le cas,
J'observe l'absence de sensation. Je dirige mon attention sur mes mains, déposées sur mes cuisses, ou le long de mon corps si je suis étendu. Je me centre sur les sensations dans mes doigts ou l'absence de sensations. Je prends conscience du contact de mon dos sur le dossier de la chaise, sur le sol ou le lit. Je prends conscience de la position de mon corps vivant, respirant. L'air entre et circule dans mon corps tout entier, dans mes bras, mes jambes. C'est tout mon corps qui respire, comme le flux et le reflux des vagues. Je me laisse bercer par le mouvement de ma respiration. Chaque fois que mon attention s'en va ailleurs que sur mon expérience présente, je la ramène doucement à mon souffle, sans me juger. Je peux même me féliciter de revenir dans l'ici et maintenant de mon expérience. J'observe ce qui est présent pour moi et j'accueille simplement ce qui est là, comme ça se présente, sans vouloir l'éliminer ou l'amplifier. Je respire présent à ce qui est, conscient de ce qui est. Je laisse maintenant se préciser en moi un moment agréable, un bon moment. Un moment vécu au cours de la journée. Il est possible aussi, en raison de ma condition, de ma situation, qu'aucun moment agréable ne vienne spontanément à ma conscience. Si c'est le cas, en restant bienveillant envers moi-même, sans me juger, je revois les derniers jours et au meilleur de ce qui m'est possible, je laisse se préciser un moment agréable, si simple soit-il. Je revois en pensée ce moment, le moment de la journée, le lieu, la lumière présente, les sons. Peut-être a-t-il fait émerger en moi de la joie, de l'enthousiasme, de l'estime, de la tendresse, ou peut-être une sensation de douceur, de l'amitié, de la gratitude ou du réconfort, de l'espoir, une paix. De la sérénité. Je revois ce moment et je me laisse imprégner par ce qui est présent au rappel de ce moment. Je ne me contente pas d'y penser. Je revis ce moment dans mon corps. Dans tout mon être. Je reprends contact avec l'ambiance. Ce que je ressentais à ce moment. Je ressens cette expérience, les sensations dans mon corps, les émotions. Je prends le temps de goûter dans mon corps, intérieurement, ce moment agréable vécu.
Je nomme en moi ce qui est présent au rappel de ce moment. Les sensations dans mon corps, les émotions. Je prends le temps d'aller jusqu'au bout de ce qui monte et permets à tout mon être de goûter à nouveau ce que cette expérience agréable a inscrit en moi, dans mon corps, dans mon cœur, à l'intérieur de moi. Je garde présent dans mon être cette expérience. Quand je suis prêt, prête, j'ouvre doucement les yeux. Je bouge lentement mes mains, mes pieds. Quand je suis prêt ou prête, je peux écrire quelques mots de ce qui monte en moi suite à cette méditation, afin de garder mémoire de l'expérience vécue, garder mémoire de la vie qui m'habite et s'exprime en moi aujourd'hui.